fait interview yo sur plusieurs plateformes. Ouais. Et que ce soit Facebook, les réseaux sociaux. Et moi vraiment saluer aspect moderne qu'a dit de Jean fait émission en Kounia. Et malheureusement, on a vécu un moment difficile dans le pays. Donc c'est pour moi une occasion, un plaisir pour m'avoir matin pour nous partager ce qui a passé dans le pays. Donc, Boulos, nous fait une expérience 2017, 2018, 2019. Il y a plein de monde qui était pensé que tu n'as pas gagné des changements, tu n'as pas gagné de grosses décisions qui t'as pas prendre. Le président Jovenel Moïse a des conscience que t'as pas prendre. Le monde qui est dans l'environnement, t'as pas tenu compte de réalité pays pour que tu rectifies le tir. Jusqu'à présent, qui ça? MDV estimé qui fait que politique Jovenel Moïse là, il va ni monter ni descendre tête droite vers un bagage que vous même vous avez dans la tête. Bon, d'abord, c'est que faut rappeler que le président Jovenel est élu en 2016 avec 500 000 voix. Et de 2017 à aujourd'hui, le président n'a pas fait aucun effort pour le créer rassemblement pour faire là. L'autre côté, discours président Biden fait l'autre jour, côté il dit le mot unité, recherche de l'unité, au moins 25 fois dans le discours. Président Jovenel lui-même, depuis un an et demi, c'est non rubrique de menaces liées matin, midi, soir. Chaque discours président fait, ces menaces lui fait son secteur. Il fait menace au secteur privé d'abord, il fait menace au secteur politique ensuite, il fait menace aux opposants politiques, il fait action sur opposants politiques, et ça n'a fait que rendre la situation plus difficile encore. Parce que grande majorité, je dis, dans le pays, une grande majorité qui est convaincue que le mandat président finit 7 février 2021, ainsi que la majorité des experts qui analysent les questions. Pendant toute l'année, regardez 2019, des manifestations monstres qui faites pendant deux ans, depuis 2018 d'abord, et Petro-Caribé, 2019, côté qu'on y avait commencé déjà à demander pour le président Rakoussi Mandali, et pour le temps, puis bonheur. 2020, le président fait année à l'abjéré pour contre lui, à coup de décret, antidémocratique, anticonstitution, pour nous retrouver le matin là, jusqu'à présent, avant hier, le président, ces menaces l'a fait pour 43 millions haïtiens. Donc, l'attitude du président n'est pas un homme d'État. Mais il ne faut pas entrer dans la blague, président. Non, mais écoutez, il faut faire une blague là. Même si c'est joué à jouer avec. Mais c'est l'idée de Bamrik Dil. Vous d'accord même? Ouais. Et Bamrik Lévesque, matin, il dit 43 millions haïtiens. Bon, la réalité, c'est que, à aucun moment, pendant deux ans, ça y est, de turbulence dans ce pays, de contestation dans ce pays, de massacre de la Saline, de massacre du Bel Air, de gaspillage pétro-caribé, le président de la République n'a recherché le consensus dans ce pays, à aucun moment. Et voilà qu'à quatre jours de la fin de son mandat, il n'a pas cherché consensus toujours. Et le résultat, c'est ça ne pas jamais voulu. Cette possibilité de violence politique, violence chaos, que nous pas aimé, ouais. Vous mettez une certaine cohérence dans la position du Jovenel Moïse. Hein? Le fait qu'il était persuadé que mandat, pourquoi fini, donc il n'y a pas de consensus pour le chercher. À quatre jours de mandat, de fait mandat. Il n'y a pas croire que le mandat a fini. Écoutez, le président doit croire ça le vle. Majorité peuple haïtien croit en bagay. C'est peut-être soit Vinchita sous table là. C'est pour ça que Balaguer était convaincu de gagner 4 ans dans le mandat là. Il y a 2 ans là-dedans. Il était convaincu de gagner 4 ans là-dedans. Il y a 2 ans là-dedans. Il sauvait la République dominicaine d'une potentielle descente aux enfers. Moi-même, depuis. Nous avons un premier monde, suite à une rencontre que nous avons fait avec Jacques Lumac, qui t'a analysé moins que le mandat président finit 7 février 2021. C'est le premier monde qui dit depuis un an, 9 mois. Je répète, dans le discours que je fais 18 décembre 2019, je répète dans le discours que je fais 7 janvier 2020, je répète encore dans le discours que je fais 12 décembre 2020, mais chaque fois que je dis. Nous disons qu'il faut s'asseoir à la table du dialogue. Si nous ne pas chita sous le dialogue, là, nous chaque campé sous position. Non. Et bon majorité, très forte majorité de l'opinion publique aujourd'hui, des experts, des hommes politiques, des hommes de l'opposition, des hommes qui étaient proches de Jovenel Moïse, qui convaincu que mandat, c'est deux secteurs qu'un Youn, c'est président pour qu'on parle avec Zan Million, que Mderele,
février 2019, sous invité du jour Métropole, nous avons dit président Jovenel, les cavaliers de l'Apocalypse qui vous accompagnent au Palais National, y a maintenant dans l'Apocalypse. Mais nous au bord de l'Apocalypse. Et qui est le perdant? N'est qu'à prendre kidnapping toute journée, hein? Peuple haïtien, qui a souffert de kidnapping matin, midi, soir. Et c'est ça qu'il faut, ouais, grève ça qui fait là. Bon bagage pour nous souligner. Les fêtes sans barricade, sans violence, sans pression. Peuple a décidé, l'a dit Jovenel Moïse, me fait deux jours être là quand même. Pour montrer que soit ferme, pas d'accord à vous. Et pour prendre Facebook ou lundi, ces menaces sont envoyées sur le monde. Mais côté de Bala, on réside dans ça. Côté de Bala, on réside dans ça. Est-ce que une négociation que un petit secteur est souhaité qu'il fait avec Jovenel Moïse entre autres, est-ce que nous ne pas arriver dans le carrefour côté que c'est trop tard? Ça m'est trop tard dans le sens que monde qui persuade que le mandat Jovenel Moïse finit 7 février 2021, pas de négociation possible avec elle. Mon cher Bamjo, même Jean pour aller avant de négocier. Même Jean pour aller avant de négocier. Le départ de Matéli a été négocié le 6 février. Matéli te gagne droit dit Jean Jovenel voulait faire quoi? Que le mandat a fini 14 mai. Il n'y a pas de deal. Donc Matéli n'a pas fait 5 ans au pouvoir. Il a fait ce que la Constitution avait prévu. L'aller 7 février. Mais c'est ça demande des présidents journal. Maintenant, nous avons 3 jours encore. Nous avons 3 jours pour que nos leaders politiques, nos leaders de la société civile, le président de la République et ses amis et ses alliés, chita sous tabla, pour nous cherchons une sortie honorable, une sortie ordonnée. Est-ce que vous connaissez que notre tentative de dialogue que le président Sénat a essayé d'initier, ou qu'on est que vous sollicitez par le national, pas d'accord. Bon, mais écoutez, c'est une exactement raison qui fait que quelque part, nous t'aimons que action président Sénat, qui sont actions louables, la chèche fait, alors on va faire le dialogue, parce que dialogue c'est entre nous-mêmes, négociation c'est avec le président Jovenel. Mais si moi prélève son table, je suis avec allié politique moi matin midi soir. Je pas besoin d'un bête, je à son table. Besoin de à son table pour mal négocier avec l'occupant du palais national la sortie honorable. Mais depuis que je viens de que j'ai jamais entendu, c'est pas seulement Lambert. Valérie, la conférence des évêques haïtiens a lancé un appel au dialogue et s'est offert. Nous avons écrit, nous MDV, nous écrit conférence avec là tout de suite pour nous dire, nous encourager la mission ça, n'a participé là-dedans. Président va jamais répondre. Président désavoué, religion pour la paix, leur religion pour la paix, t'es décidé, aider, joindre, on dialogue, on une négociation. Mais il faut faire attention, le mot dialogue ne s'applique pas à Jovenel Moïse. Il s'applique entre nous, qui ont la même vision, pour un changement de ce pays. Le mot qui s'applique pour le président Jovenel Moïse s'appelle négociation. Négociation pour une sortie ordonnée, parce que nous convaincus que son mandat se termine le 7 février 2021, et c'est négociation pour une gouvernance, pour définir la gouvernance après le 7 février 2021. Mm-hmm. C'est ça que négociation. Donc négocier au besoin plusieurs entités. Ou besoin parti politique, ou besoin intéressé, qui c'est Jovenel Moïse lui-même, jusqu'à qui côté nous arriver, nous insister pour nous négocier avec là. Bon, jusqu'au jour où il devient président de facto illégitime. Parce qu'à partir du 8 février, le président Jovenel est un président de facto illégitime. Le SAA, nous avons négocié avec tout simplement comment la prend route, sorti par l'air. Même pas gagner, même pas négocier avec elle comme président de la République encore. Mm-hmm. Aujourd'hui, il est le président constitutionnel du pays. Et c'est lui qui devait sonner le rassemblement. C'est lui qui devrait chercher la bonne sortie pour Haïti. Parce que le président décide de faire une constitution, pour compte, dans une complète opacité, pour un homme, avec un homme, par un homme. Pas de monde qui a acheté ça. Le président dans son processus électoral, pendant 4 distribués, a un point d'interrogation sur certaines sa possibilité
de corruption dans Jean contrat ça a été bail. Pas de problème à 4 ans, non. M'encourager, moi, faire 4. Mais bon, le faut dit fait. Faut qu'on dit technique qui fait. Faut qu'on dit financier qui fait sous contrat ça. On dit technique, là, c'est est-ce que 4 yo bail vraiment dans condition que la loi m'a dit pour le bail. Là, son CEP qui n'est pas fait de consensus. Mais qui soit bral, on est-ce qu'on est qui sa président Jovenel le mène, non? On est une élection contestée dans le pays. Bon, le mène la constitution contestée. Ou après, bonjour, il y a deux constitutions dans le pays. Constitution que majorité mounio, quoi là dans le CELI là, vive là, et puis constitution par Jovenel là. Est-ce que c'est là? Bonne différence là. Différence, c'est que l'élection contestée, au moins, il y a une quantité de monde qui est à l'élection quand même. Oui. Là, le différent. Moi, je peux garantir, si le président Jovenel Moïse a fait élection demain matin, participation de candidats ou de partis politiques là tellement faible, il n'y a pas même de contester encore s'il y avait éliminé. Aussi non, ça. Non, ma parole de constitution. Il a dit que. Non, il va l'autre pour constitution. Si Jovenel, mais c'est ça que je veux contester, il a dit que Jovenel, on peut le faire. Bon, je vais comment la priver. Il faut me dire ça. Je vais comment la priver. Bon, admettons. Admettons le rivé dans le référendum. Là, et même genre 2000, 3% de la population participait. Parce que c'est ça qui est arrivé en 2000. 3% de la population participait. Eh bien, immédiatement, elle est nulle. Elle est nulle, mais tant que l'on pouvoir l'abdou, c'est constitution, ça le connaît. Et puis, qu'on a les constitutions à caper. Donc, pourquoi aller là, pendant que le peuple a souffri de grand goût, pas de travail, insécurité, prolifération et fédération des gangs, lourdement armés. C'est ça le problème, je dis. Oh. C'est sous ça, au Bunchita, pour monter une gouvernance après 7 février qui attaquait le problème. Fondamental ça. Lors d'évaluer la réalité politique, Dr. Boulos, il faut tenir compte de partie qu'en face soit pour connaître ce qui s'est passé dans la tête, par exemple. On dit, Jovenel Moïse, ouais, que il y a un mouvement qui fait contre lui depuis 3 ans. Sur la base que le pas jamais tombé, il y a mettre la tête que s'il a fait 3 ans à résister, c'est pas un an, il va pas le faire à résister. D'accord. C'est réflexion. Ouais. C'est raisonnement ça, monsieur. D'accord, ouais, mais ça veut dire que c'est un homme qui n'a jamais cherché le bien du peuple. Elle dit, c'est bien tête qu'il a cherché. Les hommes d'État, pas mettre tête d'abord. Ils mettent population d'abord. Ils mettent grand groupe peuple là d'abord. Ils mettent kidnapping qui a mangé peuple là chaque jour. Qui a retiré tout le cob là, qui a fait l'albre près la banque. Coup de poing pour le payer, pour le retirer, on petit seul, on petit frère, on maman, on papa. C'est ça le président noir. Bah quoi, c'est ça que t'as le président noir. Donc, si ce soir dit à Valérie, ça veut dire que c'est vrai. Il dit, il y a 3 ans là, il a fait manifestation, il va jamais aller, il a fait 1 an. Mais qu'a accompli le président de la République? Le peuple est plus pauvre aujourd'hui. Où qu'on est que, en 1980, le Ronald Reagan a fait campagne contre Carter qui est président. Premier mandat Carter. D'ailleurs, Carter n'a fait qu'un seul mandat. Une seule question Ronald Reagan a demandé dans le débat. Il dit, peuple américain, est-ce qu'on pire bonjour d'y a qu'il y a 4 ans? Sous pi bon jodi à 4 ans, voté Kate. Mais sous sans tout pas pi bon, m'a vini. Est-ce que jodi à peuple a pi bon jodi à qu'en 2017? Est-ce que le pi bon qu'en 2010? Absolument pas. C'est ça la réalité d'un homme politique. Mm-hmm. Mais bon, l'inconvénient, c'est que, ou même avec Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas garder la même lunette. Monsieur est certain que Jovenel Moïse estimait que, par exemple, il fait effort à gauche, il fait effort à droite. Pendant tout le monde, mais qui j'ai une situation présentée, mais lui-même, il a lunettes parle. Bon, je dis, Valérie. C'est pas sans raison, l'intervention qu'elle a fait, par exemple. Bon, je gère des entreprises. Je suis que tout ça me fait dans l'entreprise, je me fais parce que je crois au bon. Mais si je fais 4 ans, je fais faillite. Il faut me râler comme moi. C'est qu'on soit aussi au retiré aux États-Unis. Oui? Là, je fais 3 ans, 4 ans, je fais faillite. Et puis, je dis, mon cher, on a gagné. Bah, dehors. Parce qu'on n'a pas continuer comme ça. Aujourd'hui, son pays qui n'a pas même un taux de croissance positif. Côté que le peuple a vu une pauvre. Donc, Jovenel t'a mis gardé là, à quelle que soit lunette qui prend là. Bon, mais bon, vérité que là devant là. Ou à Cité Soleil, pour état Cité Soleil, par rapport à 4 ans de ça, par rapport à 10 ans de ça, par rapport à 15 ans de ça, les 15 ans de Petro-Caribé, 4 milliards de dollars, peuple a pris grand goût, dans la boue, dans la misère. Ah non, je ne crois que. Jodia, c'est ça débat. Débat pas là. Débat, c'est le mandat se termine le 7 février.
il y a des propositions de sortie de crise de l'opposition. Et Mabdili, MDV a un droit pour qu'on signe dans la proposition. Nous allons regarder ça. Nous allons regarder ça. Mais Mamadou, oui. Pas dans la province. On va comprendre la réalité. Pas dans la province. Pas dans la province. Nous avons un coup de poche dans Mango. Ça qu'on arrive que Mango a un côté le couquet. Ouais. Et puis qu'on a un soir un gol pour découquer le. Pour dégager ou monter au prendre. Parce que soit continuer ou à souli ou à craser. Dans le cas, par exemple, qui différents éléments ouais qui kembe Mango sa coquet. On prend Jovenel Moïse comme Mango qui prend pile coup de roche qui coquet qu'on a qui différents éléments kembe. Mon cher Lagadi, deux d'abord international là. Nous clair dans ça. On va vous en bailler tête nous mentir. OK? International là qui depuis 15 ans dépensait des milliards de dollars pour le renforcement de la police nationale. Pour le développement de la protection des droits humains, pour l'État démocratique, m'a souligné un bagage pour vous. Pendant 15 ans d'assistance internationale, pas grand président haïtien qui fait élection mi-mandat. Pas grand président. Préval Bafel, Matéli Bafel, Jovenel Bafel. Sous contrôle, quelque part, feutré, de la MINUSTA, de la MINUJUS et du BINU. Donc, c'est support Jovenel Moïse. Tout le monde compte ça. Deuxièmement, peut-être quelques amis tenant du pouvoir, qui ont fait quoi dans la contrebande, dans la corruption, pendant le peuple a toujours pas joué rien. La douane sont pas soi. La douane sont pas soi, tout le monde compte ça. La frontière sont pas soi. Nous devons collecter 400 millions de dollars dans la frontière, nous rentrer 100 millions de dollars. Et pourtant, marchandises qu'entre eux, pas vendre plus bon marché. C'est une réalité. Mm-hmm. La perception voulait que Reginald Boulos ait de très bons rapports avec la communauté internationale. On dit bien la perception. Le, par exemple, dans le cadre d'une démarche pour nous garder qui sont capables de jouer issus, je suis certain que il y a des rencontres qu'on fait avec des mondes non internationaux. Qui ça a gagné comme élément pour justifier support à Jovenel Moïse, jusqu'à je veux dire. Et une fausse défense de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie en Haïti aujourd'hui. Sous le mandat du BINU, nous gagnons un directeur général police AI. Un commissaire gouvernement AI. Nous pas gagnons une chambre des députés. Nous presque une constitution AI. La défense de la démocratie. En fait, Valérie, on a toujours dit, les pays n'ont pas d'amis. Mm-hmm. Ils ont des intérêts. Dernier bagage, Donald Trump, t'es besoin, c'est que gon chaudière qui sautait Port-au-Prince. Ou pas, c'est ce qu'on appelle le mépris. On nous méprise aujourd'hui. Parce que nous, Haïtiens, nous c'est qu'on y en a passé fait effort pour nous mettre ensemble tout. Il ne faut pas mettre seulement le fait que la communauté internationale l'a fatiguée, il méprisait nous et puis il va être sous nous. Elle dit que pendant 4 ans, Donald Trump qui était descendu à faire campagne en Floride, faire réunion avec Haïtiens, promettre tout. Après ça, il est nous chitol. C'est comme ça qu'il est nous. Je dis à président Biden que dit démocrate qui a plus affinité avec Haïti et tout ça. Mais je dis à dans sa président Biden, il est Covid. Économie américaine, la Russie, la Chine, l'Irak, l'Iran. Moi, c'est ça Haïti, on va l'occuper. Ok? Il n'y a pas d'occuper Haïti. Donc, si on a fait que, tant que la presse américaine n'a pas commencé à dire que il y a un problème, il y a une explosion, et il y a mon article amiral qui prédit le chaos. Donc, en réalité, il n'y a pas de position, non? C'est plus. Nous avons dans les Nations Unies qui te dit, mon leur. Un fonctionnaire des Nations Unies, moins il fait, plus il a de chances d'être blâmé. Donc il n'a pas intérêt à faire. Donc tant que le cachita sous bloc glacé, puis il dit, bon, lui-même, mandat à journal, c'est 7 février 2022, d'ailleurs, il va me dire ça. Il va me dire publiquement, il dit dans la réunion. Mais bon, j'ai mon texte clair du département d'État qui dit que mandat à journal finit 7 février 2022. Et bien, il a demandé élection. Et où est-ce qu'il a demandé élection? Pressé pour janvier. Moi, des têtes ou pourquoi?
Parce que peut-être que même tu veux pas qu'on ait. Peut-être que même tu veux quitter les deux options ouvertes pour eux. C'est nous pour dialoguer avec eux. Ou même rester dans la communauté internationale. Oui. Là. Par exemple, l'ambassade américaine qui est partie pour Nantes, dans sa cafétéria, etc. D'ailleurs, le gain rencontre qu'a fait, il est toujours sollicité. Quelle position formelle yo, par rapport à manque volonté beaucoup de différents secteurs pour que qu'on entende qu'il y en a. Bon, bah quoi c'est là et puis qu'on intérêt pour et communauté internationale. La communauté internationale l'intérêt c'est dans Venezuela, c'est géopolitique, c'est dans Chine, Taïwan, au Jovenel Bayou tout. Tout ça a besoin de Jovenel Bayou. Et il fait quelque part allié, hein? Il fait de lui un allié. Mais d'accord, un allié pas pour Haïti. Jovenel est devenu un allié pour faire la promotion de la géopolitique des États-Unis. Pas pour Haïti. Le président d'Haïti n'a pas défendu les intérêts d'Haïti lorsqu'il y a eu cette discussion sur le Venezuela qui bat nous 4,2 milliards de dollars. Et moi-même, j'ai eu un monde qui t'a dit camper paiement Venezuela. Parce que j'ai déjà dit que il y a possibilité que tu aies un retour de cash qui t'a fait au Venezuela. Même pas, j'en me dis, prends position contre Venezuela. Parce que si on accepte de prendre quoi, Petro-Caribé, nous craser jusqu'à ce que nous retournions en corruption à des Vénézuéliens, c'est nous corrompus. Donc, on fait, on analyse, bah, pas nous d'abord. Mais on ne va pas faire géopolitique des États-Unis. Jovenel, c'est exactement ce qu'il a donné. Et dès qu'il a donné le Venezuela, la position des États-Unis vis-à-vis de Jovenel a changé immédiatement. Positivement. Positivement. Mm-hmm. C'est le ça, ouais, ils ont commencé à défendre, ils ont pris un communiqué, quoi groupe a pris communiqué. Le décret contre l'ANI, que pour la première fois, quoi groupe dit, décret ça n'a pas répondre à mission yo, pour faire promotion des droits humains. Et puis qui s'accrivait. Ouais, c'est là, il y a voyé pour le danger, non. Pour le danger, non. Donc il faut un dialogue avec la communauté internationale. Pour quelque part l'interpeller. C'est le sens de la lettre du MDV aux Nations Unies. C'est interpeller les Nations Unies pour dire où dépenser des milliards de dollars, où voyez un pile monde en Haïti, où mettez 8000 hommes en Haïti, sous couvert pour renforcement de la démocratie. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie encore plus faible qu'au moment de l'arrivée des Nations Unies. Donc il faut interpeller. Il faut dire écoutez, nous qu'a fait l'autre bagarre ensemble. Nous qui travaillons l'autre gens. Et c'est ça que nous avons cherché. À part un écho sur le plan local que correspondance MTV Haïti a capable de faire, dans quel sens vous pensez qu'à réveiller ou bien fait que la communauté internationale là réajuste le tir? Bon, je ne sais pas quoi un ajustement de tir sera capable de faire du jour au lendemain. Il faut d'abord ouvrir le dialogue avec non seulement toutes les instances politiques haïtiennes, j'en commence à, mais aussi avec l'international. Quand nous parlons d'international, nous parlons principalement des États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, la France, le Canada, les pays amis d'Haïti. Faut nous vider l'angle avec eux. Faut nous dire que ça qui a passé n'est pas bon. Donc, quelque part, moi-même, moi, qu'à un moment, ça, dans le moment venir, l'aide, ça n'a pas arrêté, presque certain. Sans un minimum de réponse du secrétaire général des Nations Unies. Et toute autre attitude serait encore une indication claire du mépris que les organisations internationales ont pour notre pays. Et ça, il faut nous tous, Haïtiens, tirer le son de lui. Je veux dire qu'il y a une phase que nous arrivons là-dedans, que nous partons là. Nous avons dit pour lui, en plus de nous demander, c'est une possibilité pour que gagner une proposition qui est faite au niveau des différents partis politiques, pour que yo dit bon, nous voulons faire ça, il y a demandé nous longtemps, faut nous mettre nous ensemble, faut nous faire 10, faut nous faire date. Je dis, hein, qui ça qui explique que MTV pas signé décision ça qui prend, proposition ça, pour que yo venne comme étant élément qui a mené nous dans la divers la terre promise plus ou moins. Bamjo, allez, nous sommes solidaires de nos alliés de l'opposition. Nous sommes solidaires de tout effort fait pour chercher une solution qui
permettre à Haïti de sortir dans sa liée là, je veux dire. Nous solidaires avec eux dans la dénonciation fait de gestion désastreuse pays par le président Jovenel Moïse. Nous solidaires avec eux, leur condamner massacre La Saline, massacre Bel Air. Nous solidaires avec eux, leur dénoncer gangstérisation pays. Nous solidaires avec eux, leur refuser accepter imposition nouvelle constitution, j'en la fête là. Donc, pas de grosse différence. Nous avons des éléments dans la proposition sur lesquels nous pouvons finir de mettre d'accord avec eux. Et nous avons deux, peut-être, qui est important. Mais nous avons deux, c'est le remplacement du président de la République. Nous-mêmes, dans MDV, nous croyons que le plus nous était proche de la constitution, l'IPI valable dans l'effort à faire. Et la constitution a deux précédents faits dans le pays d'Haïti. Trois précédents. 1990, 2004, 2016. 2016, suivent la constitution amendée qui bat l'Assemblée nationale. Ou d'accord avec l'Assemblée nationale, je veux dire. À la limite, nous restons au niveau de la Cour de cassation et dans l'ordre que la constitution a bailli. Le président de la Cour, à défaut, le juge le plus ancien, et pour continuer. Ça, c'est une d'Akadi, point que nous avons discuté, parce que Mme a dit, nous pouvons signer. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, nous avons discuté avec allié de l'opposition. Nous avons enrichi la proposition au moment où elle est le fruit d'une concertation encore plus grande. Donc, ça, c'est d'Akadi, une point que, deuxièmement, nous sommes inquiets que un gouvernement de transition pas bay tête li trop au mandat d'un gouvernement élu. Moi-même, je pique que ça pour le travail qu'on y a. Donc, gouvernement, la gouvernance après le 7 février, c'est d'abord remettre la sécurité, lutter contre les gangs, réformer les politiques économiques désastreuses sur le dollar. Côté Jodia, c'est dollar pour gauche à braque, zore bourrique pour peuple. Okay. Quatrièmement, redynamiser le système de cartes électorales. Cinquièmement, mettre un CEP de consensus avec un objectif majeur, des élections crédibles à forte participation. C'est pour nous tous goûmer ensemble pour que la prochaine élection ait 3 millions d'Haïtiens qui ont voté. Pour que le président élu avec 1,5, 1,6, 1,7 millions. Les gros mandats pour faire les grandes réformes, la rupture dont on parle, faut que nous, même Jean nous pas qu'à dire, on président de facto fait, faut nous-mêmes nous pas bailler tête nous non plus contre le gros mandat. Mais sur les points les plus importants, Valérie, le départ du président, la fin du mandat du président, le 7 février 2021, nous pas un problème avec les amis nous, alliés nous dans l'opposition. Sur la question de se mettre ensemble, nous participons à la réunion avec eux chaque jour. Nous toujours parler. L'homme sorti là, je dis, nous avons une réunion encore. Donc, il ne faut pas voir trop dans le fait que nous estimons, nous sommes, nous pas en partie. Pour t'évaluer. Si nous avons fait tout simplement partie en plus, nous avons entré dans une partie politique qui existait. La réalité, c'est que MTV, c'est un parti avec un lot de calcul. Et si nous avons un lot de calcul, il faut qu'à exprimer parfois tout. Différence qui gagne avec vision de nos amis est-ce alliés que... aujourd'hui, compétiteurs demain. Oui. Est-ce que je dis, hein, nous gagnons des éléments, nous pensons qui divisent nous avec le secteur de l'opposition, hein, dans la proposition de sortie de crise offerte? Mais je me suis dit, oui. C'est surtout la durée de la transition. Mm-hmm. Le mandat de la transition. Nous-mêmes, dans MDV, qui j'en ouais. Bon, nous avons, transition. Nous pas jamais sorti une proposition, mais il faut que nous dialogue nous fait. Ouais, pour éviter que par une multitude, ouais, pour MDV, pas jamais sorti une proposition. Mais l'un de sous table là, nous exprimer position, non. Nous avions toujours dit que ça aurait été mieux 12 à 18 mois. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous t'ai toujours dit, en été dans le schéma constitutionnel là. Troisièmement, on ne pas bailler tête, nous, et au mandat, qui sont mandats de quinquennat de gouvernement élu. On baille nous le minimum. Ouais, l'on font action. Plus on choisit le minimum possible et qu'on atteigne ou dépasser le même. Ouais, moi-même, même dans le business, l'homme fait projection. Fait des projections conservateurs.
même pour marketing engagé, pour me dépasser. Mais là, il y a des idées trop grandes et qu'on n'a pas réussi à faire. À la limite, le peuple va, l'opinion publique va regarder, l'a dû échouer. Donc, c'est sous ça qu'on a travaillé. Et moi-même, encore une fois, je ne vais pas bailler l'aspect de ne pas signer un gros valeur, mais l'important pour MTV, pour le faire passer, et réservation, et pour discuter avec Aliel. Nous avons tous une seule chose en main, une seule chose en tête, Haïti. Nous avons tous un point commun, la fin du mandat du président le 7 février 2021. Les choses, les autres, c'est de là que Napchita n'a pas résolu. Jusqu'à ce que nous arrivions, et quelque part. Ou pas qu'Haïti international là-dedans. Quelque part, si nous ne sommes pas les seuls, le seul parti, je pourrais dire, important, qui pas signé, qui peut signer là-dedans. Mais nous travaillons avec tout. Nous avons rencontré tout. Tout. Mm-hmm. Nous avons un moment de compte à rebours. Et je dis à nous trois, et février. Dans 4 jours, c'est pas le 7 février. Qui différentes étapes qui étaient pour franchir pour permettre que nous disions, ah, là, nous allons aboutir à ça que nous souhaitons véritablement. Mon cher Jodian, je pense que l'étape principale, là, après que le peuple a fait une démonstration aussi forte que l'Iboukak régime, une grève suivie à des pourcentages variés en dehors de Port-au-Prince, mais à 100% à Port-au-Prince, ça va vraiment être là-dedans. Et je crois que la prochaine étape là, c'est deux bagailles. C'est le renforcement de l'alliance politique qui se fait actuellement. Et deuxièmement, le dialogue avec l'international. D'où encore, qui fait qu'il justifiait que, pendant que mon proposition sortit, nous-mêmes nous choisissons écrit secrétaire général des Nations Unies. Nous connaissons. Pour ne pas être nous mentir, il faut nous voir dans le cachet lombrit. Nous connaissons que, entre Kounia et 7 février, il faut qu'on discute sur le traité international là pour nous permettre une sortie de crise honorable pour le principal intéressé, mais pour nous tous et pour Haïti. Et pour Haïti. C'est ça qui est important. Mm-hmm. Je veux dire, on dit que vous gagnez place politique là. Ou gagner société civile à un certain moment était très très impliqué dans un ensemble de actions même dans la période du NB par exemple c'était une proie qui était mettée dans la balance ou senti société civile là et suffisamment impliquée dans ce qu'a fait là Valérie ou quand ça passé dans le pays a son déconstruction ils sont faites dans le pays pendant 10 ans les syndicats on se sont appauvris. Le secteur privé a éclaté. Pas oublié. 2010, t'es une chambre de commerce forte. T'es un forum économique du secteur privé fort. La société civile, l'initiative de la société civile regroupait beaucoup d'associations. Il y a une déconstruction institutionnelle. Du peut-être ça me dit au pays à quoi ça a dû à quoi, par exemple? Bon, écoute, quand le leadership parce politique... Parce qu'on a toujours résisté. Non, pas qu'à résister éternellement lorsque le leadership politique ne croit pas dans la construction institutionnelle. Son leadership politique qui sont annulés les cours supérieurs des contrats. Son leadership politique qui a annulé toute institution dans le pays, l'annulé le Sénat, l'annulé la Chambre des députés, l'annulé les cours supérieurs des comptes. Sacré tel bout de la pour annuler. M'douze, la police nationale l'a politisé aujourd'hui, affaibli, au bord de l'implosion. Donc, il y a un pouvoir politique des 10 dernières années qui a déconstruit ce pays. Nous devons avoir une vision de reconstruction de la société civile, des instances de ce pays. Ça, c'est important, ça fait partie d'une vision politique d'un homme ou d'un parti politique. Parce que si vous pensez que construction tête ou si on dépend de déconstruction l'autre là, on ne finit pas payer prix quand même. Tout pays a besoin de secteurs forts. Société civile, secteur informel, secteur privé des affaires, n'est qu'à faire business, syndicats, professeurs. Est-ce qu'on a qui est taille ou mes associations professeurs? N'a qui est ta professeur? L'association médicale haïtienne, nous pas attendez encore. Donc on a déconstruit. L'association des journalistes haïtiens. Est-ce que vous songez? 1990, le AJH parlait. C'est un bail qui parlait. Ça va exister aujourd'hui. On a déconstruit ce pays. Il faut le reconstruire.
C'est ça notre vision. Mais voilà, nous regardons là et nous devons apprécier par l'exemple, docteur Boulos. On va parler de ou même, par exemple, dans le secteur PAO, qui doit peut-être mettre Grenzel PAO, etc. Mais son pays, ce n'est pas seulement l'État, ou bien l'impression que c'est presque tout le monde qui démissionne dans ce sens. Ça, bon, mon exemple est simple. Vous avez mis ça, M. Père du Papal, hier. Vous comprenez ça? Parce que la Bernameuse, pas un cabane disponible. Il est obligé de voir de l'autre côté. Ils mettent un sort d'oxygène, par une personne qui avait oxygène dans notre hôpital là. Monsieur Père du Papal pour ça. Donc, ça c'est faiblesse structurelle, non seulement l'État, mais c'est nous tous qui supposons assumer échec ça. Non, pas grave. Non, pas de problème, tout ça, je dis. Pas de problème que nous sommes tous responsables de ce qui a passé dans le pays aujourd'hui. Et aucun sacrifice n'est trop grand pour ce pays. Aucun sacrifice. Cependant, l'oral prend vote là. Il y en a qui choisit à le prendre vote, il y en a qui choisit pas à le prendre vote. L'on décide de faire campagne ou à le prendre vote là. Ou d'où pour le mettre manger dans le même monde, ou pour le mettre l'argent dans le poche, il faut un résultat. Et puis, il y a un résultat pour bailler là. C'est une construction société civile là, oui. Lorsqu'on parle du club de Santiago en République dominicaine, c'est pas comme ça n'a que été au fait, non. C'était la vision de Balaguer comme homme d'État. Qui regroupait Negio, qui encourageait. Lorsque j'ai créé le forum économique du secteur privé, c'était l'idée. Mais le président Matéli a passé un mandat à essayer d'écraser le forum. Le président Jovenel Rivet, c'est pire encore, jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est-à-dire que lorsqu'on pouvait chercher à déconstruire, écraser la société civile, les transporteurs, on ne gagne pas café. Oui, donc, mais non, même d'accord avoir que nous sommes tous responsables de l'état de ce pays, mais il y en a qui ont des responsabilités plus importantes. Oui, pas un problème. Pour l'avoir recherché. Ok. Contre-pied, par exemple, ça lié, c'est que nous sommes hommes d'affaires. Oui. Et, en dépit de tout problème pays à Gladan, on continue à faire business. Ou? Dans la pauvreté. Dans la pauvreté, quand des mois, tu vas tout de suite attendre. Non, attendez, donc, attendez. Existez, non, mais moi, sous. Écoutez, tout le monde existait, chacun existait, j'en suis capable. Écoutez, en 1980, il y a 12 000 machines neuves à Haïti importées. Il y a 5 ans, Haïti importait 4 000 machines neuves. 2020, 2 000 machines neuves, oui. De quoi on parle? De quoi on parle? C'est de cette pauvreté qu'on parle? Ça ne m'intéresse pas. Oui, mais quoi, équation pour nous comprendre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes. Oui, mais. Il y a des hommes plus riches que nous. Oui, mais Reginald Boulos, ça vous comprenez, c'est que c'est le plus gros problème qui est là, vous allez, c'est le pouvoir d'achat. Et alors? Et le pouvoir d'achat. Et alors? C'est la condition pour créer pour que Ndagadi business capable de continuer à faire, pour le monde capable de faire. Mais il faut suspendre de responsabiliser l'État et celui qui prend le pouvoir pour le faire. Mais certainement. Eh bien alors, c'est fini. Mais ça me l'explique, c'est que même Jean, par exemple, en dépit de tout, ou Kembe business ou, c'est ça m'a regardé qui ça fait que en dépit de tout Haïti va dans l'hôpital qui ça fait que en dépit de tout Haïti va gagner une bonne université. On va parler de ça, c'est qu'en cours c'est secteur privé ou les moyens. Bah les bonnes 90 millions de dollars déjà par l'État pour construire l'hôpital général côté le 90 millions de dollars. Vous attendez Valérie, 90 millions de dollars pour l'hôpital général. On va parler de Bernameuse qui sont bagailles privées. Quand l'hôpital général là, est-ce qu'on va regarder l'hôpital Justinien, je dis? Est-ce qu'on va regarder l'hôpital Sainte-Catherine, comme t'es construit, qui t'es qu'on fait 800 accouchements par mois, 100 opérations chirurgicales par mois, dans qui est allé, je dis? C'est fond, il a fait dans la mer. Donc de quoi on parle? Alors qui ça t'est arrivé? C'est l'État ça, oui, t'es pris l'hôpital là-dedans même, qui t'a dit, moi, mettre lui. À regarder l'hôpital Fort Liberté, que l'État reprend dans même, comme t'es fin, comme reconstruit, à regarder dans qui est allé. À regarder Saint-Ouen-Amet. Et pourtant, l'école Cité Soleil, que je continue à gérer, qui gagne 2500 timounes, il y a un résultat 98,2% en 9e année fondamentale examen. 360 timounes Cité Soleil, qu'elle composait 3 pas passés. Donc nous travaillons. Mais la réalité. Je comprends l'argumentaire. Oui. Mais il y a une faiblesse là-dedans. Laquelle? C'est que. Je dis à quoi vous le secteur privé a été responsabilisé tête par rapport à choix politique qui fait yo, parce que plus fort monde qui passe
dans l'État, c'est le secteur privé qui back up, c'est le secteur privé qui met l'argent derrière, c'est le secteur privé qui vend nous tout. Non, je ne suis pas d'accord avec, avec le secteur privé qui vend nous. Je ne suis pas d'accord. Oui, bah, ça. Et afin de prendre le secteur privé à tout temps et puis mettre le soignon, bah, moi-même, pas défendre parce que je suis celui qui me bat contre la corruption et la contrebande matin, midi, soir. Je me dis sous Caraïbes, je paye 18 millions de dollars américains, droits et taxes. En 2019, et le même, bon, refait 2021, vous me connaissez, quand même payé. 2018-2019, bon, refait 2019-2021. Cependant, l'homme parlait de déconstruction, et Valérie. Pas qu'on ait machin de micro, non, on a payé il y a 10-15 ans. Je veux dire, machin de micro fait, c'est au Gapigo Radio, non, mais qui ça qu'on machin de micro? Mon cher. Qui ça qu'on machin de micro? N'est qu'à défendre en position pour l'argent, comment? Ok, ok. Même j'en ai qu'à chercher marchandise, la douane qui n'est pas payée. Sont corrompus tout liés. Donc, on a laissé la corruption imprégner la société haïtienne. Et il faut un leadership anticorruption. Il faut un leadership anticontrebande. Il faut un leadership pour le changement réel du système. De façon que n'est qui paye taxe là, vous prenez, vous pas volez, vous dépensez pour faire l'hôpital ou à Paléa. C'est le rôle. La constitution est claire. C'est le rôle de l'État de donner la santé et l'éducation. Ma retourne tout ça, toujours. Oui, pas de problème. Tenez bien. Monsieur, c'est un conseil de candidat qui a des projets qui étaient très valables, très porteurs. Mais, là, vous avez pas de secteur privé, il y en a un, non? Ah, pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Pas vrai, soit dit là, pas vrai. C'est pas vrai. Bon, monsieur. Non, bon, monsieur. Il y a qui est gros projet pour vous. Bon, monsieur, bagaille. Il n'y a pas un accueil. Non, pour le moins, d'abord, le discours de Jovenel était attrayant. Le discours de Jovenel était attrayant. Qu'on voulait qu'on parlait. Les projets que Jovenel mettait devant nous étaient attrayants. Donc, il faut ne pas être nous menti. Et pourtant, des jeunes supports. Il était dit, bonne balle, il peut le faire. Côté yo. Donc, MM Radio, il m'a répondu. On ne pas jeune nègre secteur privé, non, dans le Parlement. Pourtant, jeune garçon privé qui prend gros poste, qui vient millionnaire en quelques jours. Ou jeune sénateur, je dis, qui a acheté caille dans tout pays. 3 millions, 4 millions. Je ne vais pas citer non, mais moi, on est internet. Je ne vais pas citer non. Ces sénateurs, ce sont des hommes du secteur privé. Monsieur, écoutez, il faut arrêter de s'envoyer des roches. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est un fond vision globale pour le pays. Une vision de rassembleur. Une vision de mettre tout le monde ensemble. Mais qui vole pas caladan. Depuis au fin de pays et droit dans côté PLP là, on n'a pas de trio. Mais faut une vision de rassembleur. On vision mettait tout le monde ensemble, rail, suspendi, mon en haut, mon en bas, mon noir, mon rouge, mon pauvre, mon riche. C'est ça pour nous faire aujourd'hui. Oui, mais on va toujours arriver dans une situation côté que projet. Parce que en général, est-ce que, bon exemple, bon cas par vous-même. Oui, oui. Lors supporte un candidat, oui. À côté de la question politique directe. Qui ça que tes motivations? Même pas le dire tout de suite. J'ai supporté 4 candidats dans les 25 dernières années. J'ai supporté Marc Bazin parce qu'il avait un programme extraordinaire économique. Il a perdu l'élection. J'ai supporté Leslie Maniga parce que l'un était fait 4 mois président. En 1988, c'est la première fois que j'ai l'autorité de l'État restaurée. Lorsqu'en avril 1988, Leslie Maniga prend bulldozer et puis il fait toute nek balle 5 mètres sur le canapé vert. Je supportais le Madame Maniga, perdu. Je supportais Jovenel Moïse, j'ai été déçu. Donc, on banne nous, Jovenel Moïse, en quelque sorte. On banne nous, Jovenel Moïse, tout. Comment banne nous? Nous sommes bons imbéciles? Comment banne nous, hein? Ça nous y est. Faut pas dire ça pour moi, comme ça, non? C'est qu'on couvre tout notre monde pour imbécile, et puis banne nous. Je supporte. Non, mais faut pas dire comme ça. Ok? Non, faut pas dire ça du tout. Dans ce sens, quelque part, je sais. Valérie, qui. Non. Valérie, écoutez. Je suis pour ce bébé à tout. Non, je supporte un nec qui vient présenter mon vision. Que, effectivement, nous avons collaboré avec elle en 2004. Je dois dire deux choses. L'homme arrive en 2004, président de chambre de commerce, il y a 10 chambres de commerce. Jovenel, tu es président, il y a président. Me lancer l'idée de la fédération de la chambre de commerce. Je venais à l'appui et là-dedans. Contre des gens de Port-au-Prince qui te dit m'a galvaudé le pouvoir de Port-au-Prince. Des joints, une série de nègres qui, je dis, à fond dans palais, qui était président de chambre tout, qui accompagnait nous. Donc, quelque part,
Lorsque Jovenel Moïse dit le candidat, d'abord me saisit, je dis moi la venir. Mais on compte ça qu'on parle de idée qu'on gagne. Et puis, moi appuyé. Mais il faut me dire tout que très tôt, après 3 mois, je me dis président Jovenel, c'est pas sous ça. Non, non, tu es venu goumé là. Nous pas venir goumé pour que c'est l'ordre pendant mon ancien président, non? Nous faire en fait pourquoi à un certain moment me casser avec elle, c'est parce que la vision que j'avais dans laquelle j'avais cru ne se matérialisait pas. Et par l'île de Water, elle dit que l'orgue des cités soleil qu'a recevoir de l'eau depuis 15 coffres par un nettoyage canal qui fait chaque jour le gain la pluie de l'eau arrive dans hauteur Remounio, c'est pas pour ça me dégoûme. Le regarder état paysan aujourd'hui, qui pas joindre engrais, qui pas joindre semence, qui pas joindre vrai barrage. Regardez barrage qui fait sous et rivière Grislan. 10 millions de dollars dépensés le cas après quelques 2 ans. Paysan, d'où envahil. C'est pas pour ça, nous goumets pour le changement durable. Dès que je suis sous ce jour, je me dis, pas un problème pour un être dit riche. Parce que pas un problème pour être riche dans le pays. Un problème de tout n'est pas riche. Faut nous faire un système qui permet toutes les opportunités. Tout les étudiants qui sont dans la faculté, ils jouent une opportunité puis ils jouent un crédit. Quel système ça y est? Ils font 6 magris l'année dernière, ils dépensent là un bon chèque, 25 000 goudes. Et puis quoi? Quel est le suivi? Quel est le suivi de ces jeunes? À qui? On est qui vend une image dans le monde qui a une grande vision d'un coup. Comment on fait les soberner par le projet de Jovenel Moïse? Seul Dieu et les imbéciles ne changent pas. Parce que pour candidat que tu gagnes. Mais que bon, pour projeter. Bon, moi, non. Ok. Ou parce que ma distance, l'état fort. Un état fort, d'abord, écoute. Un état fort ne peut pas être un programme. Un état fort peut être un élément d'un programme. Oui, mais. D'une vision. Qui t'est privé sourd? Qui t'est privé sourd? Pas qu'à faire popularité ton aigle. Je ne vais pas faire popularité ton nègre. Je ne vais pas prendre un nègre qui a une vision, qui a une base électorale, qui a une base populaire, et puis nous accompagner avec un pile l'autre monde, ou même tout. Je suis au courant pour accompagner mon tout. Okay? Même si je ne vais pas faire un micro, je vais faire tout. Je vais dire que c'est mon avocat. Donc si vous avez un monde qui reconnaît la capacité et qualité de ma distance, c'est une ladeur et tout. Mais il faut y avoir un minimum de travail que la personne doit faire d'abord. Alors, ça veut dire que, vous pensez que dans le pays, il n'y a pas n'importe qui, 2000 personnes qui sont capables et qui sont compétents. Mais il faut y avoir un bon travail politique que vous faites. Alors, on prend un exemple. Non, mais maintenant, tout ça, je le montre par là, c'est qu'il y a un mélange des deux. Il y a un mélange de capacité électorale, capacité pour faire campagne, et il y a un mélange de compétences et de programmes. Moi-même, comme je dis, honnêtement, je suis honnête à voir. Si mon mari m'a pas connaît que si m'a connaît m'a fait ça m'a fait, connaît que l'agri-trans c'est ton bluff. M'a déjà mal visité. Donc m'a quoi dans ça raconter mieux. Conteneur qui a expédié chaque semaine, chaque samedi. Même pas connaît c'est ton bluff. Ou pensez si m'a connaît son bluff dans l'Italie, dans la photo moi vous et vous. Au moins que vous êtes. Au moins que vous êtes. Non, mais écoutez. Bon, mais les 550 000 haïtiens n'ont pas été prudents. Les 550 000 haïtiens. Mais au-delà de tout ça. Parce que, qu'on veut, Valérie, il a gagné l'élection. Il a gagné l'élection. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il y a 1 million seulement de personnes à avoir voté. Et ce que le président Jovenel a dû réaliser au lendemain de son élection, il a gagné pratiquement moins de 10% de l'électorat voté pour lui. Lorsqu'il y a moins de 10% de l'électorat, il va chercher 90%. Même si on ne pas jeune tout, il va monter à 40, 50, 60%. Matin, m'a regardé. Biden réussit à 51%. Matin, on va pouvoir aller de 63%. Donc, il a agrandi ça l'a cherché. C'est ce que son président fait. C'est ça, Abinader a fait en République dominicaine, je dis là. L'a mis en place d'abord ses promesses de campagne, et puis l'a pas grandi. L'a cherché dans l'autre parti, tout. Mais pas pour soudoyer, pas pour bailler au corps, pour bailler au contrat. Pour faire une conseiller et puis c'est joie de jouer avec eux, pour servir à compétence. Politique, c'est jeu d'intérêt. Et conseil de monde qui était en face et Jovenel Moïse à un certain moment, mais j'espère qu'au courant de ça, Jovenel Moïse, Amadoué,
jusqu'à ce que li presque d'akadi météo nan eto et puis yo vinn perdu crédibilité yo quelque part son capacité monsieur gagne pour rive sou yo pour la pour rive permettre que yo quitte yo roulé nan farine nan et que des par exemple qui était très acide à l'égard de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a tout été promesse, mais comment faire prendre la même piège là tout le temps? Jovenel n'a pas fait une promesse. Papa est de où? Bon, pas qu'on a. Pas quoi grand pile je dis à qui prennent dans la parole Jovenel Moïse. Pas quoi grand pile nègre. Qui prennent un piège là? Non, mais ils sont quelques-uns qui ont besoin de quelques opportunités financières, peut-être à la limite qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Mm-hmm. Et parfois, tu vois, quand déjà Jésus-Christ te dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont fait, yo. Bon, attention. Ils ont fait, parce qu'ils en ont besoin. Je suis sûr que si ils n'ont pas besoin, ils vont t'en faire choix. Ils en ont besoin, ils profiter de besoin. C'est malhonnête. C'est malhonnête dans tous les sens. Mais si vous reconnaissez qu'ils en ont besoin, pour qu'ils aient malhonnête encore. Non, c'est malhonnête de la part de celui qui le fait. Ah, d'accord. Okay. Oui. C'est pas malhonnête de la part de celui qui le reçoit. Mm-hmm. C'est malhonnête de celui qui le fait d'utiliser ce besoin, cette pauvreté, cette précarité, cette précarité mm-hmm. pour soudoyer des gens qui, au fond, leur entrée la carrière, dit madame, il n'y a pas quoi, rien dans le journal Moïse. Mm-hmm. Ou madame, là, qui a dit monsieur, elle est dans l'aide de sexe. Bon perception. Qui mal pour sortir sur Reginal Bolos par rapport à Jovenel Moïse. Il y a des gens qui étaient quoi que tout ça, Reginal Bolos a dit sur Jovenel Moïse, monsieur était un allié de Jovenel Moïse. Son aigle qui gagne Zoré Jovenel Moïse. C'est pour ça que Jovenel voyait une arrière CC. Écoutez, on a toujours ça, c'est, vous voulez me dire, l'on est secteur business, on est business, décidé à entrer dans. Parler de lui encore. Un gros bagage, oui, ça. Est-ce que c'est dans le nouveau ça, MTV Haïti, vous l'entrez? Oh, MTV Haïti, il y a quatre piliers. La jeunesse, les paysans, la femme, la diaspora. Ce sont les quatre piliers de MTV Haïti. Nous sommes dans 30, 70. Nous souhaitons une vision à long terme de 50-50. Mm-hmm. Parce qu'il y a pile de femmes compétentes dans le pays. Ou pas, mal dans la promotion de la faculté de médecine. C'est femme, oui, Gloria. Ou dans la promotion de droit. C'est mesdames, oui, qui a brillé. C'est jeune, oui. Ou quand ça arrive jeune dans la jeunesse, je dis, université, vient nous métier pour lui. Là, la faculté de droit, ouais, il va au travail, là, il a inagé, il finit, là, il s'est dit. Mais tu sais ce que ça veut dire? Le jour où un gouvernement sérieux qui a fait appel à la jeunesse, là, nous avons trésor, oui, là. De compétences. Nous avons un trésor de compétences. Imaginons que je dis à la moyenne d'âge de certains ministères, c'est 58 ans. On fait un programme de mise à la retraite dorée pour 25 000 fonctionnaires publics. On rentre 10 000 jeunes dans la fonction publique là. On prend 1 000 là d'ailleurs pour y aller prendre master, maîtrise à l'étranger, pour côtoyer la modernité. Valérie Lemvin là, qui ça me dit? Nous nous félicitons pour modernité. Parce qu'on voyage, ou étudie, ou bien chose pour côtoyer. Faut qu'on travaille chaque jeune, qui était jeune quand court longtemps, qui jointait quand court longtemps, et qui développait tête li. On baille chaque jeune, ça y est, une possibilité. On baille au crédit, on baille éducation, on baille aux bourses. Et ensuite, on intégré dans l'administration publique. Et lorsque on aura fait ça, nous allons créer des emplois dans le secteur privé. Ou qu'on pique au fierté l'autre jour, Valérie. C'est le reste. Monde qui t'a perdu du job dans Delimat. Ou reprend travail dans Delimat toujours. Moi, j'étais sans encore pour m'intégrer. L'homme a l'ouvri d'Elman dans 4-5 mois pour m'apprendre. Mais en même temps, tout Valérie, joue ça, joue m'annoncer. M'a l'ouvri Delimat. Moi, je vois 2000 demandes sur Instagram, moi. Demande de quoi? D'emploi. D'emploi, ah d'accord. Okay. Bon, mon petit job. Tant pis, s'il vous plaît.
pourquoi le jeune haïtien doit être dans tant pis souple pour le jeune job? Parce que nous n'avons pas créé la base. Et cette base, c'est un pouvoir politique qui le fait. Il rassemble la société civile. Il rassemble les partis politiques. La loi sur les partis politiques, elle a été faite pour déconstruire les partis politiques. Lors du mon parti politique a fait avec 20 mounes, on a fait Louis Valéry. C'est de la folie. Il faut améliorer, il faut changer la loi sur les partis politiques pour mettre par contre 200 000 membres. Nous sommes à 30 000 membres aujourd'hui nous-mêmes. Est-ce que vous estimez que question de référendum, question de constitution, question de planification et élection sont chimères de la part de Jovenel Moïse? Vous voulez dire que c'est son mirage? Oui. Mon cher, à mon avis, c'est un mirage. Donc après deux jours, ça y est, il faut que Jovenel réalise son mirage. Jovenel a pour seule grève. Je vous le table fait bagaille ça, qui a commencé depuis 15 jours avant. Oui. Ok. Bon, il ne faut pas jouer avec ça. Vous dites à vous, vous ne pas nous faire interview original Boulos, mais okay. Je dis à la réalité que nous avons là-dedans, nous là-dedans là, comme vous le pouvez, pendant que l'opposition a déplacé Pion, pouvoir déplacer Pion tout. Pendant que l'allié qui a essayé de constituer, pouvoir essayer de chercher allié partout. Je ne sais pas où ça. Oh, bon, moi, hier, il y en a allié, lui, a presque dit que sa président fait, il va reconnaître là-dedans notre ami Evans. Bah, ouais, ça. Evans Paul. Écoutez, bon, nous, tu vas. Jovenel nous prend tous pour des cons. Bah, pourquoi dire Jovenel, personne ne va m'allier sur le terrain. Non, moi, Alexis Kosa m'a blé d'où là. Jovenel pensait que dialogue, négociation politique pour PIA, c'est au fond, c'est eu de nègre. Poste ministériel deuxième niveau. C'est pas ça que négociation. Négociation, c'est côté de la pays. MDV pas intéressé d'entrer dans aucun ni gouverneur journal ni après journal. Nous-mêmes, nous voulons bonne élection pour nous aller à l'élection. Comment vous dites ça? Nous avons même si nous perdons l'élection, demain matin, nous sommes capables de dire nous bien perdu. C'est ça nous avons. Donc, nous avons allié. Parce que jusqu'à présent, Alia, ça veut beaucoup senti que Blanc voulait bouger. Ou a saisi pour elle. Quand Blanc va avoir l'impression de bouger, démission, attendez. C'est ça qui est arrivé tout le temps avant, oui. Tout ça arrivé, oui. Et vous me dites que pour moi, quoi que l'international commence à réaliser que Jovenel pape bat la constitution. Hein. Jovenel pape ka bat l'élection. Hein. Oh, c'est ça qui mirage là pour eux. C'est ça qui fuit défendu à pour eux. C'est ça qui mangue, vous besoin que il y a. Il n'y a pas besoin de ni. Quand vous commencez, ouais, que ça n'a pas privé. Écoutez. Vous m'avez un anglais qui dit, we are all expendable. Nous pouvons tous être sacrifiés. Nous serons tous sacrifiés. Dès que vous n'avez pas cassé avec nous. Si nous pas unis. Et Jovenel sera un sacrifié de l'international. Qu'on voulait probable. Qui j'en veux à venir et immédiat, Jovenel Moïse? Je ne sais pas une question ça. Je ne sais boule de cristal. Je ne sais pas. Si c'est fait 12 mois là encore pour ne pas remettre rien, il va faire ça. C'est difficile pour le jeune ça. C'est presque impossible pour le jeune ça. Si la cherche une sortie honorable pour le pays, écoutez, nous n'allons pas sacrifier le pays pour une vengeance contre Jovenel Moïse. Absolument pas. Donc, c'est à lui de dire. C'est pour ça qu'il doit venir sur la table pour dire qu'est-ce qu'il veut. On spécule sur 7 février. Genre 7 février. Mon cher, il est très difficile pour spéculer pour 7 février. Même pas pour spéculer sur l'imbalouis. J'ai horreur de la violence. J'ai horreur du chaos. Au cas où 7 février arrivé, il est passé, puis nous retournons au 8 février avec un président de facto illégitime. On peut croire que tout peut se passer. Comme étant la principale victime du 6-7 juillet 2018, je n'avais pas vu venir le 6-7 juillet 2018. Donc, je ne pas prêt 10 fois ça. Je ne pas prêt dans le jeu de ça. Ou pas, ouais. On ne connaît. Est-ce qu'on on spectre de violence? Mais c'est ça, me saute toujours, possible. Quand tout le cas pas fait, ce serait grave s'il fait. C'est ça pour éviter. Le fait qu'il y a cette
possibilité, Valérie. C'est irresponsable de la part du président de ne pas engager dès maintenant tout ce qu'il doit engager pour empêcher ce spectre que le Miami Herald a annoncé hier. Même si Mbako Mbaka garantit tout le fait non plus. Mais Zamoué dans la rue arrière là. Deux jours de grève, ça y est. Son avertissement, son aide politique pas prendre sérieusement, il n'est pas bon. Au cas pays. Au Akou, pays, ça a basculé dans le déchoucage, par exemple, qui a annoncé que quelque part, il y a une promotion qui a fait pour lui, etc. Principal victime, il y a qui est la preuve. Je ne pas même vouloir penser à la violence. Ça. J'ai horreur de cette violence, Valérie. J'ai été une grande victime de cette violence. Même pas courir. Il y a plein de monde qui était pensé que le 9 juillet, nous avons quitté ça. Et pourtant, ma détermination vers Haïti a été redoublée au lendemain du 6-7 juillet. Donc, je ne bataille aucun monde. Je ne bataille aucun monde. Que si vous avez une boutique, la Saline, que vous avez un gros magasin dans le Soudelmar, ou bon monde qui vont à Pétionville, bataille mais personne ne fait expérience ça. Ni bataille mais monde mourir Cité Soleil, ni La Saline, ni Grand Ravine, ni Bel Air. Donc, on parle positif plutôt. 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 4 jours. 4 fois 24. 96 heures. Pour nous chercher une solution qui évite l'horreur. C'est cet appel que je lance ce matin à Jovenel Moïse. En début de l'appel là, ça peut empêcher que même le pas une volonté de bon côté exécutif à lui-même, par exemple, sous-prend sa capacité dans le pays, insécurité, kidnapping, etc. Ou d'accord que c'est pas forcément le pouvoir pour contenir qui décide de dire bah, pas alimenter le phénomène. Ah, Valérie, mon cher. Mais qui a la responsabilité de nous donner la sécurité? À qui nous payons nos taxes? Qui a la responsabilité de renforcer la police nationale? Qui a la responsabilité d'enlever les gangs qui publiquement ont affiché leur alliance au pouvoir sans jamais être démentis? D'ailleurs, le Premier ministre a dit qu'il leur parle. Mm-hmm. Donc, de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Écoutez, ouais, on va depuis commencement d'interview à déresponsabiliser le pouvoir politique là. Ça ne peut pas se faire dans tous les pays au monde. Trump a perdu son élection parce que quelque part, la majorité américaine pensait qu'il n'y a pas bien géré le Covid là. En grande partie. Quand tu as pris le pouvoir, tu dois t'astreindre à des résultats. Et quand tu n'as pas donné ces résultats, tu n'as pas créé la grande famille haïtienne. Le moment pour moi est venu de partir. Réginald Golos, la différence qui est entre moi et Mavo, c'est que je suis un homme politique, je veux dire. Oui. Et aspirant à prendre le pouvoir en Haïti. Autrement dit, je suis un partisan. Oui. Et moi-même, j'ai un devoir d'équilibre. Non, écoutez. Attends. Dans le sens que, par exemple, bon exemple, ça. L'homme qui vient me jeune, par exemple, on compte des âmes et on a son port, par exemple. Laisser propriété. X ou bien Y. L'État gagne pour responsabilité pour que, pas quitter l'entrée, saisir, arrêter mon patati et patata. Fine, ça c'est pour une partie. Mais parallèlement, tout pas empêcher que me dit, mais mon ça lui-même, lui gagne une implication tout, n'a créé ça tout. Comme son pense son propriétaire port, responsable ça quand il est dans le conteneur? Non. Dans le sens, le monde qui vini avec les monde qui décide, okay. La voyez ça. Ok, le gérant était été 10 conteneurs, qui est-ce qui te fait libérer? Gérant était campé 10 conteneurs, que jusqu'à présent, convaincu, c'est Zam qui était là d'ailleurs. Oui, mais c'est la guerre. Mais oui, nous sommes okay. Même longueur d'onde. Oui. Mais moi-même, Mabdou, il faut toujours garder là, à deux niveaux. Responsabilité de l'État, pour le moment, c'est quoi? C'est pas ça lié. Responsabilité de l'État, nous entendons sur ça. D'accord. Pour que l'État assume responsabilité, okay. Etc. C'est échec. Moi-même, toujours dit que. Même Jean pouvoir Balvin là. Oui. Ou pas grand quelle explication Balvin dit que un héritage peut être un loup. Excuse ça, il faut que nous trouvons facile pour nous. J'allais tellement d'accord avant, c'est peut-être samedi.
nous avons un problème avec le mandat que vous voulez faire la transition. Ça. Mm-hmm. Parce que le pape Kafel, on a tête nous des objectifs atteignables. C'est comme vous avez un business, marché total automobile là, c'est 2000, et puis me dit, bon, ok, si je dois business, ça me prend 24 000. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, moi-même, je dis, on prend un objectif atteignable. On va avec une carte joint, une carte active. Maintenant, comment on peut expliquer, Valérie, que pendant deux jours de grève, pas un kidnapping qui fait? Dol? Bah, on est normal, même. Mais c'est une réalité. Son réalité. Ça dit que c'est extraordinaire que Jodia, nous avons pris ce pays en 2010 sans gagne. Parce qu'il faut rendre cet hommage à René Breval. 2007-2008, il a dégangstérisé Cité Soleil, il a dégangstérisé La Saline, il a dégangstérisé Bel Air. Et les 10 ans, les 9 ans de, les 10 ans de PHTK et consorts nous a donné un pays gangstérisé à travers le pays. Alors ça, ce n'est pas un échec. Il faut constater cet échec. Et il faut tirer la révérence. Il faut tirer la révérence. Et puis pour penser, je dis encore, il y a un fond 5 ans encore. C'est pour ça que je suis dans la politique. Parce que mon vision, mon côté me veut aller. Moi, ouais, qui ça me fait avec nos alliés, avec nos amis, et avec aussi nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, il faut un rassemblement, mais pas les ennemis qui volent et qui pillent. Pour qu'on ait un résultat, nous prenons l'élection pour nous gagner. Qui ça combat après lié, après 7 février 2021? Le combat pour établir la sécurité, arrêter les kidnappings, renforcer la structure économique du pays avec annuler tous les décrets de Jovenel, de terrorisme, de Annie et autres, mettre en place une structure électorale qui nous amène dans 12-18 mois à des élections crédibles à lesquelles le peuple participe. C'est essentiellement ça nos besoins aujourd'hui. Nous sommes toujours en faveur de la Constitution, parce que je dis à la Constitution, Jovenel Galvaudel, nous pas même qu'à l'Adam Jodia, parce que le président qui sera élu devra lui-même faire les états généraux de la nation, le grand rassemblement. Et à ce moment, on pourra décider si nous allons faire les réformes constitutionnelles telles que le prévoit la Constitution. Mm-hmm. C'est là à nous camper nous-mêmes. C'est position panne. Discours, après 7 février, articulé déjà pour MTV, parce que vous avez deux options. Soit Jovenel Moïse allait, soit Alvaro. Comme beaucoup cette fille, pas mal de m'douler. Ah, ok. Tant que février arrivé. Merci infiniment, Général Boulos. Merci Valérie, m'a salué toute auditrice, tout auditeur. Et Vision 2000, c'est ton plaisir pour moi de m'avoir. Ça fait quelques jours, nous pas te font parler. Et à la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique Invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Rendez-vous 1h. Bonne journée. Au revoir.